pas sûr d'avoir eu raison de le suivre. Peut-être que je me suis trompé et que tout ceci n'existe pas. Qu'il n'a qu'un fantôme qui se faufile dans la foule et que je ne verrai peut-être jamais. J'en connaissais pas long sur le blues. Jamais entendu parler de Jean-Paul et j'ignorais encore l'existence de Robert Johnson. Pour moi, le blues c'était mort depuis la fin du noir et blanc. Alors, je ne comprends pas vraiment ce qui a pu se passer. J'étais venu filmer son concert comme je serais venu filmer le concert de n'importe qui d'autre. Je savais juste que Jean-Paul était un bluesman réputé, un de ceux qui vend le plus de disques en France dans ce genre musical assez marginal. Derrière ma caméra, j'ai vu Jean-Paul et sa musique s'emparer de toute la foule. Je ne sais pas à quel moment je me suis laissé prendre. Et à force de cadrer son image, quelque chose a pris possession de moi. Je n'étais plus ce cadreur distant venu filmer un concert comme un mercenaire. J'ai eu la sensation qu'à travers le viseur, c'était moi qui étais observé. Un sentiment étrange, comme si quelque chose m'avait capté. Sans que je le sache, ce film avait déjà commencé.